Are you listening? Damn. Champion de Verne, nous avons fait la démarche pour les organiser à Rion. Donc le club de Rion a organisé avec le comité régional d'Auvergne, bien sûr, de boxe. Et tout se passe très bien pour le moment, mais c'est que les minimes cadets, il y aura d'autres championnats encore pour les Benjamins, les Poussins, les vétérans, les juniors et un championnat spécial pour les filles également. Nous avons 10 clubs de présence cet après-midi. Il en vient de l'Allier, bien sûr, Montluçon, Val-de-Bèze, Noblard-Moulinois, plus les clubs du Puy-de-Dôme, donc il y en a quelques-uns que je peux citer, mais je vais peut-être en oublier, mais en excuse pour eux. Il y a l'ASM, il y a Clermont-Nord, il y a Roya, Boxing Club, et je crois que c'est tout de Clermont, mais nous avons également le Boxing Black Cat qui est à Saint-Bonnet-Pré-Orcival, qui est présent, et puis nous, Rion. Je pense que les jeunes ont un engouement pour la boxe parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles et la boxe en France a toujours marché quand les temps étaient difficiles. Mais les JO y ont pu certainement aussi. On a déjà pas mal débuté hein, avec des garçons courageux, des garçons à qui on apprend le règlement hein, et qui a été appris déjà en salle. Après, donc, ça tombe malheureusement un week-end, le même week-end que les pré-nationaux. Donc il nous manque pas mal d'officiels, on va dire, confirmés. Donc on a fait appel à des officiels stagiaires qui, ma foi, se débrouillent pas mal. La boxe éducative, c'est, je parle en compétition, démarre à l'âge de 6 ans. À 6 ans, les enfants peuvent faire des matchs de boxe éducative. Alors, boxe éducative, je dis bien, sur base de touche. Hein. Il n'y a rien de dangereux. Ils ne seront pas bobos. Et jusqu'aux adultes, voilà. Et vétérans, car cette année, il y a une innovation fédérale. Des licences vétérans ont été donc construites, on va dire. Hein. À partir de 36 ans, un adulte peut faire des matchs de boxe éducative. À 6 ans, c'est 3 fois une minute. À partir des minimes, donc minimes, que je raconte pas de bêtises, c'est 11-12 ans. 11-12 ans, c'est 3 fois 1 minute 30. Et cadet, junior et senior, c'est 3 fois 2 minutes. Comme les combats normaux, sauf que ça reste bien sur des bases de touche. Il y a un petit peu le boom des Jeux Olympiques. Faire venir les jeunes, c'est très facile. Les garder, c'est plus difficile. Voilà. Faut penser aussi qu'il y a des facteurs importants. L'école, le travail, la situation géographique aussi. Donc, oui, issus de la boxe éducative, il y a eu quand même de quelques champions. Hein. Je parle, bon, il y a eu Hugo Kaspersky, qui a boxé, que moi, enfin j'ai fait débuter d'ailleurs en éducative. Salim Metchkoun, qui a débuté en éducatif. D'autres que bon, je souhaite pas oublier, mais bon, il y a quand même eu des phénomènes hein, qui ont démarré jeunes. Non, mais disons que ça, on a leur inculque des bonnes bases, fondamentales, on va dire, techniques, qui font qu'après, ben, on gagne du temps pour lorsqu'ils passent amateur. Eh ben, ils ont déjà des bases solides pour commencer à faire bobo, quoi, on va dire. Parce qu'en amateur, c'est la différence, elle est que les coups, on peut les appuyer. Et donc, voilà. La
Là, c'est les championnats d'Auvergne actuellement, aujourd'hui, minime cadet. Donc, ils peuvent aller jusqu'aux France. Donc, la prochaine étape, c'est les interrégions. Et s'ils gagnent aux interrégions, eh ben, ils iront finale France. Après, c'est à nous, en salle, de faire travailler les jeunes techniquement, les faire améliorer, croiser les gants entre clubs plus souvent, en dehors des championnats, pour les faire évoluer, les faire grandir techniquement, stratégiquement. Et voilà, c'est pas évident de faire ressortir des jeunes au niveau France. Hein. Mais bon, il y en a. Il y en a eu à Saint-Jacques, il y en a eu à Rion, il y en a eu à Volvic. Voilà, un petit peu, tous les clubs arrivent à ressortir quelques garçons. Hein. Après, les filles aussi, c'est pas mal. Donc voilà, je pense que bon, ça va venir. Hein. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de sortir du lot. Il y a énormément de garçons. Damn.